Mais alors, il existe un unité et les centimètres. ABCD est un parallélogramme du plan tel que AB égale 2, AD égale 7. L'angle A mesure pi sur 3 radians. On désigne par IJ, donc, les bâtissants respectifs des systèmes AD, B, moins 1, D, moins 3. Très bien. Et A, moins 3, B, 5, C1 et D1. Alors, on doit construire le parallélogramme et les points IJ dans un premier temps. Très bien. Existe une erreur. Existe un. Nous avons donc à construire d'abord le parallélogramme. AB égale 2, on nous a dit. Mais AD égale 7. Bien, non, attendez. Alors, donc ici, nous avons A, B, C et D. B, C. Et là, nous avons des. Très bien. AB mesure 2 cm. AD mesure 7 cm. On nous dit.
que l'angle A, donc c'est à peu près ici, pi sur 3. C'est à peu près pi sur 3. Alors, I est la barycentre de quoi? I est le barycentre de A2 B moins 1 et D moins 3. Donc, AI est égal à 1/2 de AB plus 3/2 de AD. 1/2 de AB plus 3/2 de AD. Donc, I est là. I est là. Très bien. Maintenant, concernant le point J, nous avons J qui est le barycentre de. J est le barycentre de A moins 3. De B5. De C1 et de D1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AJ est égal à 5 quarts de AB plus un quart de AC plus un quart de AD. Très bien. Ce qui revient à dire que 5 quarts de AB sur la figure, 5 quarts de AB plus un quart de AC. On est d'accord? Plus un quart de AD, nous avons donc ici le point J. I est là et J est là. Montrer que, on doit montrer maintenant, deuxièmement, démontrer que C est le milieu de IJ. On demande de démontrer que le point C que nous avons ici, que le point C est le milieu de I et de J. C'est ce que nous devons montrer. Très bien. Alors, si on prend le vecteur CI plus vecteur CJ, deuxièmement, vecteur CI plus vecteur CJ. Si on introduit le point A, par exemple, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons CA plus AI plus CA
plus AJ. Donc, c'est égal à 2 CA plus AI plus AJ. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 CA. AI, c'est égal à quoi? C'est 1 demi de AB plus 3 demi de AD. Un demi de AB plus 3 demi de AD, c'est ça? Très bien. Et maintenant, qu'en est-il de AJ? Nous l'avons en haut. Nous l'avons en haut. C'est égal à 5 quarts de AB plus 1 quart de AC plus 1 quart de AD. Très bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce que nous aurons? À partir de là, nous pouvons avoir aisément, on fait le calcul, hein, c'est-à-dire AC. Nous avons 2 AC, ou bien si vous voulez, moins 2 AC, parce que c'est 2 CA, plus 1 quart, donc c'est 8 quarts, donc c'est moins 7 quarts. On a moins 7 quarts de AC. AB aussi, on a 1 demi. 1 demi, c'est 2 quarts. Plus 5 quarts, c'est 7 quarts aussi. Plus 7 quarts de AB. Et pour AD, qu'est-ce que nous aurons? AD, on a 3 demi. 3 demi, c'est 6 quarts. 6 quarts plus 1 quart, ça fait 7 quarts aussi. Donc, plus 7 quarts de AD. Ceci est égal à 7 quarts moins AC plus AB plus AD. C'est égal à 7 quarts facture de CA moins AC devient CA plus AB plus AD. Donc, ceci est égal à 7 quarts de CB plus AD. Et regardez bien la figure. CB plus AD est égal à quoi? CB, n'est-ce pas? CB, regardez bien. CB, c'est ça. Et AD, c'est ça. Ça, nous avons deux vecteurs opposés. Donc, c'est le vecteur nul. Nous avons ici donc le vecteur nul. Très bien. Comment on a le vecteur nul? Donc, on a CI plus CJ est égal au vecteur nul. CI plus CJ est égal au vecteur nul. Comme CI plus CJ est égal au vecteur nul, ça veut dire tout simplement que C est le milieu, n'est-ce pas? C est le milieu de IJ. C'est le milieu de IJ. Très bien. Donc, c'est le milieu du segment IJ. Ce n'est pas tout. On demande maintenant aussi de demander que BJID est un parallélogramme. BJID est un parallélogramme.
BJD, c'est quoi BJD? B. J. N'est-ce pas? I. D, c'est un peu mal fait. C'est un peu mal fait. On a juste un peu, que ça soit un peu le logramme, c'est correct quoi. Voilà, à partir de là, j'espère que maintenant sera bon. Pour avoir un joli parallélogramme. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant, à partir de là, on peut avoir BJ, BI, JD, qui est un parallélogramme. C'est bon? Avec, bien sûr, I étant là, I et J, n'est-ce pas, à ce niveau. Très bien. Alors, BJID est un parallélogramme. C'est ce que nous devons montrer. Alors, donc ici, si on prend le vecteur BJ, le vecteur BJ est égal à quoi? Regardons bien. Ici, ou bien si on peut prendre même le vecteur DI, l'essentiel c'est de montrer que le vecteur DI est égal au vecteur BJ. On peut l'exprimer en fonction de DA et de DB. DA et de DB. Donc c'est toujours deuxièmement, très bien. Donc ici, on a BI est égal à quoi? DI si on regarde, on nous a dit que I est la barycentre. Si vous voulez, on l'écrit d'abord même. I est la barycentre. I est la barycentre de... I est le barycentre de quoi? De A, de B moins 1 et de D moins 3. Voilà. Là, ça devient clair. Et maintenant, à partir de là, on peut dire donc que le vecteur DI est égal, n'est-ce pas, à moins DA.
c'est moins DA. On est d'accord? Plus combien? Moins DA plus un demi de DB. Plus un demi de DB. Très bien. Et si j'ai maintenant ici, j'ai barycentre de A moins 3, de B 5, C 1, D 1. Très bien. Donc, nous aurons tout simplement BJ. Nous aurons BJ. Qui est égal à quoi? Qui est égal à BJ, BA, c'est moins 3 quarts. Moins 3 quarts de BA. Moins 3 quarts de BA. BC 1, un quart de BC, donc un quart de BC, plus un quart aussi naturellement de BD. Un quart de BD. Très bien. Alors là, on aura donc moins 3 quarts toujours. C'est égal à moins 3 quarts de BA, n'est-ce pas? Mais attention, même ici, on peut introduire le point D. On introduit le point D ici, au niveau de BA, on introduit le point D. Ça va nous donner, tout simplement, voilà, ça me donne BD, c'est ce que je voulais avoir. BD. BD. BD, relation de Shell. Moins 3 quarts de DA plus un quart de BC plus un quart de BD. Ceci est égal à quoi? C'est égal à moins 3 quarts de BD. Moins 3 quarts de BD. On est d'accord? Mais attention, on calcule maintenant, ça me donne quoi? Moins 3 quarts de BC. BC peut être remplacé. Regardez la figure. BC va être remplacé. Regardez la figure. Par AD. Regardez la figure. BC va être remplacé par le vecteur AD. Très bien. Alors, on aura moins 3 quarts. Moins 3 quarts de BD. Moins 3 quarts de DA plus 1 quart de AD, j'ai remplacé BC par AD, plus maintenant 1 quart de BD. Ceci est égal à quoi? On aura donc moins 3 quarts de DA moins 1 quart de DA, donc c'est égal à moins DA et moins 3 quarts ici. Est-ce qu'on aura quoi? Donc, c'est moins 1, moins 2, ouais, donc c'est plus 1 demi de DB. C'est bon? Très bien. Je vais encadrer ça en rouge. Donc, regardez, DI est égal à moins DA plus 1 demi de DB. Et BJ est égal à moins DA plus 1 demi de DB. Vous le voyez bien? Très bien. Donc, conclusion, DI égale BJ.
DI égale BJ. DI égale BJ. Donc B, J, I, D est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Très bien. Troisièmement, IJ coupe AB en quart. Troisièmement, nous avons IJ qui coupe AB en quart. On voit la figure. IJ qui coupe AB. On prolonge AB. Nous allons prolonger AB. AB est là. Oui. Et IJ maintenant. Nous allons prolonger IJ. Voilà. C'est bon? Très bien. Donc, le point que nous avons ici maintenant, le point d'intersection, c'est le point K. C'est le point K que nous avons ici. Alors, maintenant, regardez bien. Les triangles BKI et KAC, je vais mettre ça en vert, sont en position Thalès. AC que nous avons ici. AC, je vais mettre ça en vert. Voilà. Bien, c'est en noir. En vert. On met ça en vert. Donc ici, on a A, C. Vous voyez bien. A, C. Hein? Voilà. Très bien. Et, n'est-ce pas? Très bien, voilà. Maintenant, je pense que c'est clair. Hein? Nous avons regardé bien. K, B, I, le triangle KBI. Et le triangle K, A, C sont en position de Thalès. Les deux doivent être en parallèle. On est d'accord? Sont en position de Thalès. Comme ces deux doigts sont en position de Thalès, on peut dire donc que KB sur KA est égal à KJ sur KC. Si vous voulez, c'est égal à BJ sur AC. Très bien. On va l'écrire. Voilà. Donc, nous avons les triangles, Oussas. Oui. Fouf, le mot d'angane n'y a droit de son prêt. Voilà, dans la jersey, théorème, qui voilà, dans la jersey, droit des milieux. Oui. Nous avons ici la droite des milieux. C'est bon? Oui. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant les triangles, donc. Les triangles K. Les triangles K. K. N'est-ce pas? C'est KB. C'est K.
C'est KBJ, hein? KBJ. Et KAC sont en position de Thalès. Très bien. Donc maintenant, on peut établir les rapports. Quels sont les rapports? On aura donc, parce qu'on a IJ, n'est-ce pas? N'oublions pas que ça devait même être prisé au début, que IJ, n'est-ce pas, inter, donc AB, pour bien voir K, c'est égal à. Ah, on est d'accord, hein? Très bien. Alors, on a KB sur KA. KB sur KA est égal à quoi? Est égal à KJ. C'est égal à KJ sur KC. C'est égal à BJ sur AC. Et comme c'est le milieu, c'est égal à 1/2. Si c'est égal à 1/2, donc on aura tout simplement donc le vecteur KA qui est égal à 2 vecteurs AB. C'est égal à 2 vecteurs AB, donc le X qui est cherché est égal à 2. Déterminer et construire, quatrièmement, déterminer et construire, petit a, E1, l'ensemble des points, donc M, tel que norme de 2 à M. Bon, ça c'est un peu la seconde quand même. Plus MB, on nous a dit. Plus 3. MD est égal à 8. Bon, donc ici c'est moins 2 MA, hein? D'accord? Plus MB plus 3, donc MD est égal à 8. C'est bon. Très bien. Donc ici, I étant le balisson de A moins 2, B1, donc D3, on avait dit. Ou bien si vous voulez. Bon, par homogénéité, quoi, hein? Par homogénéité. Donc, on aura donc tout simplement 2 MI, norme de 2 MI, est égal à 8. Donc, 2 MI égale 8, donc MI égale 4. Donc, finalement, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons, hein, c'est le cercle de centre I et de rayon 4, hein? Donc cercle de centre I et de rayon 4. C'est bon jusque-là? Et maintenant pour la notion de collinéarité. Notion de collinéarité, on nous demande donc de E2, l'ensemble des points N du plan tel que 4ND moins 2, NA moins 2, NC et moins AN vecteur plus 5, BN plus CN plus DN soit collinaire. Donc ça c'est E2. Donc petit B, nous avons donc l'ensemble E2. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons 4ND. Moins 2 MA. 4ND. Moins 2 MA. Moins 2 NC. Moins 2 NC. Ceci est égal à quoi? Au niveau de MA, on peut mettre le point D. Au niveau de NC aussi, on peut mettre le point D.
Regarde ce que ça va donner. Ça va donner 4 ND moins 2 ND moins 2 DA. Moins 2 DA moins 2 ND. Allez, d'accord? Moins 2 D, DC. Regarde, 4 ND, moins 2 ND, moins 2 ND. Donc, on aura quoi? Moins 2 DA, moins 2 DC. Donc, 4 ND, moins 2 NA, moins 2 ND, donc c'est égal tout simplement à moins 2 DA, moins 2 DC. Alors, si on moins 2 DA, moins 2 DC, on met le moins 2 en facteur, qu'est-ce que nous aurons? DA plus DC. On aura DA plus DC. DA plus DC. Hein, on y va. Donc, c'est égal à moins. On met le moins 2 en facteur. Moins 2 DA plus DC. DA plus DC. C'est quoi au niveau de la figure? DA. On a ici DA plus DC, c'est DB. C'est un parallélogramme. Attends, on va essayer de gommer le nom, on rétablit. Regardez, DA, on a dit DA plus DC, donc c'est DB, c'est un parallélogramme. Donc DA plus DC égale DB. Donc on retient le vecteur DB, tout simplement. DB. Donc ici, nous aurons cet égal à moins 2 DB. Donc le premier vecteur donc, a été transformé. Donc c'est moins 2 DB. On peut essayer de transformer aussi moins 3 AN. C'est-à-dire c'est le deuxième vecteur, moins AN, on est d'accord, moins AN, moins AN, plus 5 BN, plus CN, plus DN, ça me donne quoi? C'est moins 3N ou bien... C'est moins 3N, hein? Voilà. Donc, moins 3AN plus 5BN. Voilà, très bien. 5BN plus CN. Très bien. Plus DN. Ah, d'accord. Donc, on a J qui est, rappelez-vous, hein? Fonction vectorielle de Leibniz. Donc, on aura tout simplement 4JN. C'est égal à 4JN. Donc, ce qui revient à dire que, donc, on termine 4ND. C'est 4ND. Moins 2NA. Moins 2NC. N'est-ce pas? Et collinaire à moins 3 AN, n'est-ce pas? Plus 5 BN plus CN, n'est-ce pas? Plus DN, ça veut dire tout simplement que moins
de D B et collinaire, n'est-ce pas, à 4 J M. C'est la même chose. On a transformé des vecteurs. Ça veut dire que D B tout simplement est collinaire à J M. Ça veut dire quoi? Donc c'est la droite parallèle à BD passant par J. Donc E2, c'est la droite parallèle, n'est-ce pas, à BD passant par J. Voilà. On termine donc. Donc c'est la droite. La droite parallèle, n'est-ce pas, à DB, hein, à la droite DB. Hein, n'est-ce pas? La droite DB, passant par J. Voilà, donc, très bien, chers élèves, c'était exactement ça concernant cet exercice.